Bonjour à tous et à tous, Raj Dakou au micro pour t'annoncer aujourd'hui deux petites nouvelles qui vont certainement te faire plaisir, qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu sois. Petit gameplay de fond, je te mets une Moab en 96 secondes réalisée par Raj Dexter sur la map Lockdown de Modern Warfare 3. Si tu veux le connaître, tu tapes Raj Dexter sur YouTube, tu vas certainement le trouver. Enfin bref, aujourd'hui, j'ai peut-être la date officielle de la sortie de Call of Duty Black Ops 3. Ainsi que la confirmation qu'il soit sur Last Gen, c'est-à-dire Xbox 360 et PS3, puisque tout simplement, Amazon, le site de vente en ligne le plus populaire sur Internet, etc., on ne le présente plus, a posté sur son site, eh bien regardez, une petite annonce disant Advanced Warfare Day Zero Edition. Bien sûr, Advanced Warfare est sorti l'année dernière. Donc il a reposté ça, soit c'est une erreur, soit c'est une petite piste pour les joueurs de Call of Duty, parce que tout simplement c'était une jaquette sur Xbox 360 qui a été diffusée et qui a été diffusée pour le 3 novembre 2015. Donc on sait bien que Advanced Warfare est sorti en 2014. Donc voilà, ça peut être une petite piste pour les joueurs Call of Duty qui tombent sur cette annonce. 3 novembre 2015, tout ça sera confirmé le 26 avril, bien sûr, avec la date officielle qui sortira dans le trailer officiel de Call of Duty Black Ops 3. On attend ça. Donc voilà, grosse erreur du site, simple coïncidence ou vrai jeu de piste pour les joueurs. On se le saura tout ça le 26 avril. C'était Raj Dakou, je vous fais des bisous. Allez, à la prochaine, les gens.